Baba, raconte-moi une histoire. Black Panther, le protecteur du Wakanda. À toi de doubler. Tu aimes le doublage et l'acting? Alors cette vidéo est faite pour toi. Fais un duo avec cette vidéo et donne vie au monologue. Tu sais que je t'admirais quand j'étais gosse. Si, je te le jure. Je regardais tous tes exploits à la télé. T'étais vraiment le meilleur. J'espérais devenir comme toi. Devenir le héros que tous admirent. Mais en grandissant, j'ai commencé à comprendre les méchants. La vérité, c'est que t'es pas un héros. T'es juste un imposteur qui porte un masque. Et je vais te l'arracher. Ainsi, ils pourront tous voir ton nouveau visage. Toi doublé, tu aimes le doublage et l'acting? Alors ce challenge est fait pour toi. Fais un duo avec cette vidéo et donne vie au monologue. Tu dis que c'est inutile de se battre, mais c'est faux. T'as juste peur. Comme nous tous. Alors même si c'est glucose, je lutterai de toutes mes forces. Et je me relevais encore et encore et encore. Parce que si je le fais pas, qui le fera? C'est ça pour moi, être un héros. À toi de doubler! Tu aimes le doublage et l'acting? Alors ce challenge est fait pour toi. Fais un duo avec cette vidéo et donne vie au monologue. Calme-toi. Ça sert à rien de répondre à ces provocations. C'est ce qu'il attend. Que ces mots t'atteignent et qui te blessent. Il veut te pousser à commettre une erreur. Ne rentre pas dans son jeu. Utilise plutôt ses règles contre lui. Et bats-le. À toi de doubler! Tu aimes le doublage et l'acting? Alors ce challenge est fait pour toi. Fais un duo avec cette vidéo et donne vie au monologue. Alors c'est tout ce que j'étais pour toi. Une distraction? Un jouet avec lequel tu t'amuses jusqu'à ce qu'il devienne inutile? Les gens ne sont pas des putains de pions. Et je refuse de jouer plus longtemps à ton petit jeu. Dans des termes que tu pourras comprendre, j'abandonne ta partie. À toi de doubler! Tu aimes le doublage et l'acting? Alors ce challenge est fait pour toi. Fais un duo avec cette vidéo et donne vie au monologue. Pourquoi? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Je n'avais pas le choix, et vous le savez. J'ai fait ce que j'avais à faire. Oh, je vois. Il vous croit un méchant. Alors vous saurez tout ce que vous avez fait de moi. Êtes-vous prêt, héros? Prêt à affronter vos erreurs? Quelle galère! J'ai à peine mis les pieds à Tokyo que je dois déjà me farcir des fléaux! Oh, mais à la base t'es venu pour ça, non? On va séparer le travail, ça ira plus vite comme ça. De mon côté, je vais m'occuper de nettoyer les étages du haut et toi charge-toi du bas. Après, on pourra aller se faire des sushis à Ginza! T'es pas très sérieuse, prends pas la mission à la légère. C'est dangereux les fléaux. Franchement, t'y connaissais rien il y a 2 minutes, alors la ramène pas et bouge-toi! Y a pas à dire, j'arrive pas du tout à comprendre tes réactions. T'étonnes pas d'être célibataire? Hein? Quoi? Et comment tu sais ça d'abord? Bah, t'étais où? On t'a cherché partout? T'es pas un fantôme au moins, hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé à ton bras? Bon, tu devras tout me raconter. Je veux un rapport des plus détaillés.
Nous devons rejoindre le village Goron. Il sera plus facile pour Daruk de piloter sa créature divine si j'y apporte quelques modifications. Il l'a déjà déplacé plusieurs fois, mais on dirait qu'il ne l'a pas encore parfaitement en main. Quand je pense que ces créatures sont de confection humaine, c'est une chance, cela veut dire que nous sommes capables de comprendre leur fonctionnement. Je percerai leurs secrets. C'est notre seule chance de sortir victorieux du combat contre Ganon. J'y arriverai, il le faut. Et toi ? Cette épée que tu portes, parviens-tu à la manier convenablement ? Et cette voix qui est censée résonner dans sa lame ? Est-ce que tu l'as déjà entendu ? Comme tu le vois, je ne suis pas mort. Regarde-moi, et moi qui suis ton roi. Tu es mort.